Hey les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications, c'est totalement gratuit et ça prend 2 secondes. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on est avec Oximos. Comment ça va Oximos? Hey, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Ça me fait rappeler un ancien pote, oui ça va super bien et toi Oximos? Eh bien, ça va très bien aussi. Franchement, je suis super content d'être là pour cette nouvelle vidéo avec toi, Awareiz. Également. Du coup, aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, bien sûr, on va vous donner un petit objectif, un petit défi de like. Ce n'est pas moi qui vais vous le donner, c'est Oximos. Oximos, tu veux combien de likes sur cette vidéo? Je veux 6500 likes. 6500 sinon, likes. Ouais. Sinon, je vais plus jamais sur ta chaîne, Awareiz. Je fais plus de vidéos avec toi. Ouch. Ok. Les abonnés, va falloir s'abonner et va falloir me liker, les abonnés. C'est très important. Mettez un maximum de likes parce que sinon, Oximos ne reviendra plus sur la chaîne. Il reviendra plus dans les idées, enfin, dans les vidéos de survie. Du coup, partagez à tous vos potes si vous voulez continuer à voir Oximos. Et vraiment, likez, c'est très important. Oximos, il est passé où? Je suis parti, attends, là, regarde. Mes trucs, ils ont guéri. Je suis plus en sang comme toi. Ah ouais, t'es plus attends, en sang. Je vais aller me blesser. Je vois pas le but, les abonnés, de se blesser. Mais apparemment, Oximos il allait se blesser. Oximos, ça va? Ah, c'est bon. Oui, Oximos, mais t'es allé faire quoi? Bah, je suis allé me blesser pour être comme pour la survie. Attends, t'as mis des coups de tête là dans le. Ouais, des coups de pied, des coups de bras, des coups de coude. N'importe quoi. T'as vu, regarde, maintenant je saigne. Ouais, t'as du sang de partout, sur le visage, sur les pieds, sur les mains, y en a de partout. Bon, en tout cas, Oximos, est-ce que tu peux aller sur ma chaîne vite fait là et me lire un commentaire d'un abonné pour tout simplement, bah, comme tous les jours, on va dédicacer un abonné et tout simplement, bah, on va répondre à sa question, est-ce qu'il en a un, et voilà. Ouais, alors là, il y a Thibaut2448, je lis vraiment le dernier commentaire qui a été posté. Ok, vas-y. C'est pour ça qu'il faut commenter, mettre beaucoup de commentaires parce qu'à chaque fois, genre la dernière fois, j'ai sélectionné le dernier commentaire. Ok, vas-y. Et du coup, il a dit que ça serait cool qu'on fasse une espèce de maison grotte dans la montagne ici, genre qu'on fasse comme un tunnel et genre je sais pas qu'on descende, il a dit ça. Ouais, ça... ouais, ça serait cool que vous fassiez une grotte dans la montagne. Bon, ça pourrait être pas mal en vrai. Genre, en plus, je crois qu'on avait jamais fait de grotte dans les survies, on avait tout simplement fait, je crois, des bunkers, un truc comme ça. Mais on n'avait pas fait de grotte vraiment dans les montagnes. Donc bah pourquoi pas, on sait pas, on verra dans les prochains épisodes pourquoi pas faire une énorme grotte et pourquoi pas bah, peut-être l'aménager, ça pourrait être vraiment stylé. Bon, du coup, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier aujourd'hui, Oximos, toi? Ouais, bah alors, c'est pour ça que je t'ai dit de te dépêcher d'enregistrer la vidéo. J'ai vu de la fumée vers là-bas un peu, et je crois qu'il y a le volcan. Il y a un volcan. Un volcan? Ouais, je te jure, je crois qu'il y a un volcan. Tu sais, genre, je suis pas volcanologue, je sais pas quoi, mais je sais reconnaître. Ok. Ouais, t'inquiète, non, mais je te crois. Mais on va aller voir, mais ça me paraît bizarre ce qu'on avait vu sur l'île. Bah, tu sais, qu'on était monté tout en haut de la montagne. Ouais. On a vu qu'il n'y avait pas de volcan, c'est bizarre, peut-être qu'il est apparu, je sais pas. Le sol, il a tremblé un peu, je me suis dit, c'est pas un tremblement de terre, c'est bizarre, il y a de la fumée en plus. Donc, il est peut-être rentré en éruption, c'est sûr. J'ai l'impression que cette île, elle est vraiment hantée. Oh, il y a de la lave, regarde des abonnés, Oh, c'est vraiment... Oh, attends, viens, fais le tour pour voir un peu. Je savais qu'il allait avoir autant de lave. Bah, moi non plus. Oh, punaise, mais il est énorme le volcan. Bah, attends, mais comment c'est possible qu'il ait apparu comme ça, Oximos? Wow, mais regardez-moi ça, il est énorme. Attends, ok. Alors, je voulais explorer de base, mais là, Attends, viens, on fait le tour pour voir un peu. Punaise, attention, il y a des coulées de lave encore, les abonnés. Je pensais qu'il était pas encore. Ouais, il fait hyper chaud. Regardez-moi ça, les abonnés, c'est du grand n'importe quoi. Mais attends, ça va recouvrir l'île de toute la lave là. Bah, justement, c'est ça que j'ai peur. J'ai peur que l'île, simplement, bah, elle soit en contact avec la lave et que tout simplement, bah, ça prenne feu. Oh, si tu crois n'importe quoi, les abonnés. Regardez-moi ce gigant gigantesque, tout simplement. Oh, regardez, il y a la lave encore plein ici. Mais wesh. Et il est énorme, mec. Oh, c'est du grand n'importe quoi. Attends, je me mets dans l'eau, il fait trop chaud. Ouais, moi aussi, pareil. On va essayer de se rafraîchir un petit peu, les abonnés. Mais par contre, je crois que cette île, elle est vraiment magique, Oximos, parce que... Ah, punaise, mais comment il aurait pu atterrir ici? Qu'est-ce que tu fais? J'ai soif, je bois l'eau de la mer. Ok. Attends. C'est... Bon, là je suis en dessous du volcan bocal. Les abonnés, mais c'est bizarre. Je reconnais cet endroit. Mais Oximos, regarde où il est apparu le volcan. Ah, mais moi aussi, c'est là où on a commencé. Regarde. Oh non. Ah, c'est le truc du gars. Ouais, du monsieur. Et il s'est enfui du coup. Bah non, il a dû mourir. Oh, il y a encore de l'eau, du pain, etc. Il a pas dû avoir le temps. Il est plus là. Il s'est fait emporter par la lave. Oh punaise. Ah ouais, je crois que le monsieur, les abonnés, il a pas duré très longtemps. Il s'est fait envahir par la lave. Et même le volcan, il a apparu comme ça. En plus que nous, on avait fait une maison juste ici. Donc à mon avis, elle doit être sous le volcan, notre maison. Hein. Ah mais la maison qu'on avait fait pour faire semblant au gars de dire qu'on habite là, bah c'est mort. Hein. Il y a plus de maison. Attends, est-ce qu'on peut essayer de la chercher sérieusement? Attends, peut-être qu'elle est ici, Oximos.
Attends, c'est parti. Ouais, quoi que... Non, elle est un peu plus loin. Elle est un peu plus loin. Ah ouais, elle est vraiment plus loin. Ouais. Attends, je vais essayer. On n'arrivera pas, y a rien. Ouais, c'est impossible. Elle est quand même beaucoup plus loin là, on aurait dû. Faudrait creuser pendant 10 minutes. Ouais, c'est vrai, bon, on a plus la flemme de creuser pendant 10 minutes. Oh, est-ce que Oxymos, on va. Attends, t'es chaud, on va de l'autre côté là où il y avait la première source de lave et on l'escalade pour voir ce qu'il y a en haut? Ouais, bah on peut escalader d'ici, non? Bah, c'est mieux de l'autre côté, je crois qu'il y avait beaucoup moins de lave. Okay, je crois qu'il y avait beaucoup moins de lave, t'inquiète. Ok, du coup, c'est parti, regardez-moi ça, c'est énorme, il y a énormément de lave. C'est bizarre que ça n'a pas encore pris feu en plus, hein. Parce qu'il y a, il y a beaucoup de végétation. Ouais, mais je pense ça a même pas le temps de prendre feu. La lave, elle est tellement brûlante que ça crame direct en fait. Enfin, genre ça se carbonise direct. Il y a même pas le temps d'avoir de flamme. Ouais, je pense. Ah, oh, il y a un animal. Où? Oh, c'est un coyote. Attends, mais oh punaise, moi je veux pas être témoin de ça, les abonnés. Oxymos, il a fait du mal à au coyote, mec. C'est n'importe quoi. Bon, vas-y, c'est parti. On va commencer à faire l'expédition et on va. Bon, attends, on va essayer de vesquiller un peu la lave. Oui. Tiens, du coyote. Ah, oh, ça doit être dégueulasse. Bon, j'en mangerai tout à l'heure, les abonnés. Je goûterai un peu cette viande de coyote pour voir si c'est bon. En tout cas, voilà. C'est parti. On escalade, du coup, cette petite montagne. Bah, du coup, ce petit volcan plutôt. Hop, c'est parti. Ok. Donc là, on va frôler la lave. Ah, Waris ! Qu'est-ce qu'il y a, Oxymos ? Continue sans moi ! Continue sans moi, Waris ! Ouais, réveille-toi ! Réveille-toi, Narvalo ! Allez, allez, mais non, mais Oxymos, il va abandonner les abonnés. Regardez-moi ça. Allez, mettez un maximum de likes et un maximum de commentaires simplement pour encourager Oxymos à monter la montagne. Nous, je crois qu'on est bientôt arrivé tout au centre. Oh, regardez cette flaque de. Oui, c'est quoi ça? Oxymos, monte vite. C'est une porte, Oxymos, monte. C'est ma femme que je l'aime. Mais, ah oui, c'est vrai que t'as une femme, Oxymos. Vas-y, monte, dépêche-toi. Bon, regarde, alors, regarde ici. Ouais, il y a une porte. Mais attends, mais une porte en face d'un volcan, c'est bizarre. Attends, laisse-moi rentrer dedans. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Bah. Wesh! Oxymos! Ah, le ban! Ok, tu m'as fait vraiment peur, punaise. Je pensais que t'étais tombé dans quelque chose. Ok, vas-y. C'est parti. Okay. Alors, il y a un couloir. Ok, bon, là, il y a rien. Oh, regarde les abonnés. Il y a une carte. Ok, c'est parti. Là aussi, il y en a un. Ok, bon, bah, j'en avais déjà un sur moi, je sais pas pourquoi. Bah, attendez, je vais virer un truc de mon inventaire. Tac. Ok, nice. Vas-y, t'as un main carte, Oxymos? Ouais. J'y vais en premier ou t'y vas en premier? Vas-y, j'y vais. Vas-y. Ok, c'est parti. Wouh! Ouais, y'a là! Okay. Mais c'est quoi ce volcan du futur? Ouh, regardez-moi ce volcan, les abonnés! Y'a des trucs là! Oh, c'est bizarre! Ah, y'a des trucs qui font grave peur! Oh, y'a des statues, mec! Oh! On arrive où là? Je sais pas. Oh, c'est bizarre, y'a de la lave sur les murs! Attends, mais oh! Viens voir en dessous du main carte! Ah, j'avais pas vu! Ok, nickel, y'a un truc ici. Bah, reprends ton main carte. Ok, vas-y, je descends. Non, descends en premier, on sait jamais. Oxymos, c'est lui qui se. J'aime le risque. Oh, il y a un bateau cette fois-ci. Ah, moi aussi j'en ai un. On doit faire une chute. Enfin, il y a une chute d'eau. Putain, c'est énorme, c'est magnifique ce truc. C'est qu'à Waris, on peut être à deux dans le même bateau. Oui, non, on va prendre chacun son bateau, Oxymos. Okay, par mesure de sécurité après le coronavirus. Ok, c'est parti. Ah, je me prends. Aïe. Okay, aïe. Tu t'es fait cogner par quoi? Bah, par les pierres. Ah ouais, ok. C'est énorme ce passage. Oh, punaise, tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il y avait un monstre ici. Ok, nickel. Là, il y a un main carte. Il faut encore un main carte. Vas-y, prends-en. Allez, go. Cette fois-ci, tu vas en premier. Ah, punaise. Et comme par hasard, les abonnés, quand c'est les trucs de main carte, faut que j'y aille. Ok. Oh, c'est parti. Ça s'accélère. Oh, wesh. Chou. On est où là? Oh là, plus on avance, plus ça fait peur. Oxymos. Oxymos. Je reconnais cet endroit. Je sais pas si t'as regardé les vidéos quand t'étais pas là. C'est une grotte tout simplement, il y a un grand monstre ici, on l'avait déjà vu en vidéo mais on n'a pas réussi à le tuer. Et en fait regarde, il a tué les gens, il y a des gens dedans de la cage là. Oh punaise, dégueulasse. Ok, vas-y viens, faut pas faire de bruit. Récupère ton minecart au cas où. Oh, je l'avais pas vu ce passage secret qu'il avait ça, c'est bizarre. Ok, regarde, il y a encore un ici là. Wesh. J'ai cassé ma bulle. Doucement. Ok, c'est parti, on sort. Je sais pas le monstre où il est, Oxymos, vraiment. Ah trop, on part de ce côté, 1. 2, 3, ok, c'est parti. On se casse les abonnés. Du coup, alors je sais pas si vous avez reconnu les abonnés. Pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos de la survie, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas vu, bah à tout. Oh, c'est quoi ça? Oh les gars, il y a vraiment des passages secrets de partout. C'est une mine abandonnée. Mais t'es bête, Oxymos. Y a rien. Il s'est pris le mur, Oxymos. Ok, bon là, y a rien du tout. Peut-être qu'on arrivera un jour à passer en dessous, les abonnés. On a trouvé cette grotte, ok, bon, peut-être plus tard. Bon, en tout cas, les abonnés, je sais pas si vous avez compris, mais là, simplement, ce volcan qui vient d'apparaître est tout simplement relié à l'ancien endroit où il y avait le méchant. C'est ultra bizarre. C'est vraiment ultra bizarre. Oh, il y a un oiseau là. Hop, c'est parti. Oh, tu.
Brah. Ah, il y a des poules. Allez, c'est parti. On fait un peu nourriture aux abonnés. Bon, on essaie de se rassurer comme on peut avec Oximos parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je suis encore un peu perdu, les abonnés. Je ne sais pas. Je sais pas trop ce que c'est ce truc de volcan parce que, en plus, il est apparu juste cette nuit le volcan avec toute la lave et tout. Ah, mais c'est carrément ça. C'est pour ça. Qui a comme ça, genre. Je sais pas, mais à mon avis, c'est un mauvais pressentiment. Surtout que ça relie à la grotte du méchant. Tu veux nous faire une blague? Je pense pas qu'il y ait un abonné qui soit écrasé dans l'île de survie, Oximos. Oh. Hey, regarde, viens voir. J'ai pas vu ça. T'as un petit find, toi? Ouais. Vas-y, viens. Regarde en haut, là, entre les deux montagnes, il y a des... Regarde, c'est bizarre. Ah, j'ai vu, c'était des ballons. Il y a des blocs colorés, c'est bizarre. Peut-être que quelqu'un, il s'est écrasé. Putain, on dirait un parachute. On aurait dit un parachute, les gars multicolores. Enfin, genre, en tout cas, jaune, rouge et violet. Oximos, imagine, c'est quelqu'un qui a voulu atterrir ici. Ouais, ah, mais on va pas voir maintenant. En plus, oui, bah oui, on va pas voir maintenant, regarde dans la prochaine vidéo. Mais j'avais parlé d'un nouveau personnage qui allait peut-être arriver ou un personnage qu'on connaît déjà, etc. Je sais pas encore. Oui, t'as dit ça. Ok. T'as dit au début qu'il y aurait plein de gens. Oh, ce qu'on fait, s'écrase volontairement. Bah oui, après, bon, ouais, c'est bizarre. Bon, en tout cas, les abonnés, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de pourquoi ce volcan il est apparu par magie comme ça. Pourquoi il est relié tout simplement à la grotte du méchant qu'on avait vu la dernière fois pendant deux vidéos, qui a voulu essayer de capturer bébé Carlos, Boubou, etc. et moi aussi. Et dites-nous aussi, le parachute qui est en haut dans les montagnes, est-ce que vous voulez qu'on y aille? Voilà, tout simplement, est-ce que vous voulez qu'on aille voir tout simplement ce parachute écrasé dans les montagnes? Parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-bas et ni qui pourrait y avoir. Du coup, voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais rentrer à la maison. Je sais pas, toi, Oximos, qu'est-ce que tu comptes faire? Ouais, et on ira voir dans le prochain épisode. Seulement s'il y a des likes. Ouais. On ira voir le... C'est soit les abonnés, soit il y a beaucoup de likes et on ira voir dans le prochain épisode. Soit il n'y a pas beaucoup de likes et on fera une autre vidéo avec Oximos. Le gars avec le parachute. Ouais, parce que les abonnés, s'il n'y a pas assez de likes, simplement, bah, le mec qui s'est écrasé en parachute, on le laissera tout seul. Ça veut dire qu'on ne saura pas qui c'est et il fera son aventure tout seul. Qu'est-ce qu'il y a, Oximos? Il va mourir. Ah oui, bah là, tout simplement, s'il est tout seul, oui, bien sûr. Surtout que là, il y a plein de maisons, à mon avis, il a dû partir du mauvais côté. Bon, en tout cas, moi, regardez, hop, je vais rentrer à la maison, je vais, bah, du coup, mettre mon stuff que j'ai, bah, du coup, découvert dans cette grotte. Regardez le bateau, les main cats, etc., parce que ça me sert pas du tout. Je crois que c'est Oximos qui a gardé les autres bateaux. Ouais, je crois que c'est Oximos. Ok, bah, vas-y, bah, n'hésite pas à les mettre dans les maisons. Ensuite. Attends, mais j'ai vu la maison. Oh, punaise. Oh, il est vraiment du père, Oximos. Alors, attends. Toutes les maisons. C'est celle qui est le plus proche de la plage dans la direction où on était allé. Celle qui est le... T'es où? Ouais. Ah, il est là-bas. Ok, bouge pas à ta... Ouais, là-bas, tu me vois? Oui. Oximos. Vas-y, viens. En fait, c'est celle-ci, là. Il y a la cabane dans les arbres. Ah oui, bah, au pire, il y a un four dans la cabane dans les arbres. Ouais. Ok, vas-y, c'est parti, on va dans la cabane dans les arbres, les abonnés. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de comment on l'a construit. C'était vraiment super fun. Hop. C'était trop bien. Ouais, franchement, elle était vraiment archi stylée. Du coup, c'est parti. Elle est là-bas, les abonnés. Je vous la montre pas entière. Je vais me baisser pour essayer de pas vous la montrer. Et juste, ben, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, hop. Bah, la table de craft, je vais la récupérer. Non, hop. Parce qu'elle ne sert à rien du tout ici. Voilà. Donc, c'est parti. Je prends la petite table de craft. Et je vais la ramener en haut. On va la. Wesh, elle veut pas se couper. Chelou. Attendez, je vais essayer avec un autre matériau. Ok, c'est bon. Wesh, ça a bugué avec la. Ah, ok. La hache en bois, en fait, c'est vu qu'il y a World City. Je pouvais pas la couper avec. Ok, du coup regardez cette magnifique petite cabane les gars dans les arbres. Donc là vous la voyez d'intérieur, vous ne la voyez pas d'extérieur. Si vous voulez tout simplement la voir dans l'extérieur et de voir comment on l'a construit, bah, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier où on a construit une cabane dans les arbres avec Oximos, c'était super génial. Du coup, oh bah regarde, il y a du fer, Oximos. T'as une nourriture? Ok, nickel. De la nourriture, je crois qu'on en avait, t'en avais peut-être à cuire. Tiens, je t'ai mis du bois, tu peux les faire cuire ici. Hop. Voilà, du coup les abonnés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi, avant de finir la vidéo, d'aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'en parle pas souvent, mais allez me suivre sur Instagram. Je vais essayer d'être le plus actif possible. Sur Snapchat, ça je vous garantis rien, je suis actif pour parler à mes potes, mais sinon pour mettre des stories, pas du tout. Allez voir sur Discord, il y a toujours une petite alerte dès que je ressors une vidéo. Et activez la cloche de notification, abonnez-vous, c'est très important. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Avoir Easy Oximos. Ciao tout le monde. Salut.